Ce DVD présente des clés pour la découverte du roman Badawi de Moed Altrad. En grande partie autobiographique, mais aussi récit initiatique et témoignage, ce roman est, selon l'auteur, le résultat d'une absolue nécessité d'écrire. C'est aussi un regard posé sur l'autre et sur l'ailleurs, avec la thématique de l'exil omniprésente sous des angles à la fois géographiques et intérieurs. L'exil, j'ajouterais la perte d'identité, parce que au même moment, au même instant, on est deux personnes à la fois. Le personnage principal est-il arabe, est-il français, est-il oriental ou occidental, ou est-il tout ça à la fois? Donc la question est posée. Il délivre enfin un formidable message d'espoir pour tous ceux qui manquent de confiance, les invitant à appliquer ce qui ressort de l'entretien avec Moed Altrad comme une devise. La difficulté n'est pas de faire, mais d'oser donc, faire. Ces quelques coups de pouce de destin lui ont permis de se transformer en Caire. Et la vie a basculé à un certain moment comme ça pour devenir Caire. Caire, c'est celui qui a gagné, qui a vaincu le sort. C'est le héros. Outre l'entretien avec l'auteur, la rubrique Résonance du DVD apporte un éclairage sur la poésie arabe, le soufisme et quelques-unes de ces grandes figures dont les références nourrissent le roman. Des compléments viennent enrichir cet ensemble. Des interviews de son éditeur, Actes Sud, à propos de l'auteur, mais aussi sur le rôle et le métier d'éditeur. C'est cousu de réalité, c'est cousu de vie, quoi, je dirais. Je trouve que c'est ça dont on a besoin d'authenticité, quoi. Un reportage sur une exploitation pédagogique du roman en lycée, dans le cadre de l'enseignement d'exploration en classe de seconde, littérature et société. Je découvre un pays qui ressemble à rien de ce que je connais. Donc ce sont des questions humaines, des questions philosophiques, des questions psychologiques. Et c'est au cœur de l'école. Construire l'élève, construire l'individu. Un portfolio avec une sélection iconographique sur le thème du désert et des lectures d'extraits choisis faites par des comédiens du Centre dramatique national des 13 vents à Montpellier. S'évanouir dans la nuit, oublier sa tristesse et sa peur, ne plus bouger. Immobile comme le corps qui respirait à peine là-bas, au village, sous la tente. Enfin, un guide pédagogique de 96 pages propose notamment des démarches pédagogiques pour les classes de 3e et de 2e, ainsi que des ressources documentaires.